Situation haïtien compliqué. Et de jour en jour, problème yo a empiré. En Haïti, la gon véritable bataille politique ka fait. À l'extérieur pays, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a une bataille diplomatique qu'a fait dans le dossier Haïti. Et bien, dans ce qui est pour vous, avec la bataille politique qu'a fait à l'interne, nous gagnons Edmond Supplice Bozil, un principal bénéficiaire assassinat président Jovenel Moïse, puisque sous Jovenel Moïse, il était fait partie de l'opposition radicale qui t'a boulé, qui t'a praché, qui t'a demandé départ Jovenel Moïse. Et bien, après l'assassinat Jovenel, là, il a un pouvoir, il a décidé. Et bien, Edmond Supplice Bozil, lui m'a pressé, pressé, pour commissaire du gouvernement, Jacques Lafontaine, pour mettre Action publique en mouvement et arrêter ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Et bien, rêtez l'ambre le bon détail, puisque toute bagaille est fait prêt pour commissaire là, pour lui manier dossier. Hier encore, Premier ministre Ariel Henry rencontré avec plusieurs officiels américains. Rencontre si là, t'es gagné 4 objectifs principaux. Sécurité, crise alimentaire, choléra, ak soutien gouvernement américain avec peuple haïtien, puisque nous connaissons hier encore te gagné yon rencontre à l'extraordinaire qui t'a fait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pour te arriver décider sur intervention militaire haïtia avec résolution qui concernait sanctions contre gang et commanditaire gang yo. Et on a fini avec gros rebondissement ça qui gagne dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Hier, gagne John Joel Joseph qui était joué en arrestation dans Jamaïque après yon tapral extradé vers les États-Unis. Eh bien, li paraît devant juge et John Joel Joseph décide de plaider non coupable. Au pral konnen qui grave conséquence ça a gagné. Nous gagne mort vivant, Badjo Félix qui fait réapparition. Badjo décide de sommer plusieurs journalistes qui t'a fait travail yo, qui t'a comment analyser situation sous assassinat président Jovenel Moïse. C'est pas seulement Badjo. Hier, on dirait c'était journée nationale sommation. Il y a un paquet présumé criminel, présumé et assassin dedans pays qui t'a profité de journée hier là pour sommer plusieurs journalistes en dedans pays. Donc, est-ce que c'est une situation de diversion? Est-ce que c'est concerné à mettre stratégie politique à terre là pour faire diversion? Nous allons parler de tout dossier ça. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir pour m'avec nous aujourd'hui là pour me porter émission par nous hein, mon éditorial avec Yannick. Jean Kawel l'actualité en li chargé, il y a ensemble des formations là pour nous traiter ensemble, li important pour nous comprendre qui ça va passer dans pays là. Non moment côté que gouvernement Ariel Henry li besoin retirer focus peuple sur ça qui important, sur ça qui primordial et créer des affaires dans l'affaire. Eh bien, j'en ai été annoncé dans le commencement de l'émission, gagné Edmond Supplice Bozil, dans un communiqué publié, lui mandé pressé pressé pour arrêter Moïse Jean-Charles à tout le monde qui représentait une menace pour la sécurité intérieure du pays. Dans la déclaration Moïse Jean-Charles t'est fait, dans le jour qui était 18 octobre 2022 passé, la veille, nous connaissons Moïse Jean-Charles, il était organisé en manifestation devant l'ambassade américaine. Et dans la manifestation, ça, Moïse Jean-Charles, il était presque mort. Moïse Jean-Charles prend gaz, Moïse Jean-Charles tombé, Moïse Jean-Charles presque perdu connaissance. Moïse Jean-Charles était là la net. Le lendemain, le Moïse Jean-Charles a fait une conférence de presse pour expliquer comment il était vive situation manifestation. Moïse Jean-Charles, je me dis, le Moïse Jean-Charles, tout doux, son tentative d'assassinat, il a fait sous lui. Son tentative d'assassinat, il a venu pour tout. Donc, après Moïse Jean-Charles, il finit raconter toute sa vie pour raconter son manifestation, son préparation, son déroulement et son incident qui arrive là. Moïse Jean-Charles, il n'a pas perdu du temps. Moïse Jean-Charles li prend sol, li prend tol pour inciter population à la violence. Tendez bien. Ouais, j'aime dou li, c'est exactement ça li, une incitation à la violence. Moïse Jean-Charles mandé population haïtienne. Tout le monde
D'ailleurs, il y a deux lignes téléphoniques qui ouvert, il y a tout numéro. Moun qui connaît côté ministre rete, côté membre gouvernement Ariel Henry rete, relé dans numéro qui disponible pour yo bay adresse yo pour population ka commencé porter mouré la caille moun yo, pour population ka rire sou moun yo al bayo bwa kale. Et même hôtel qui ta héberger moun sa yo. Hôtel sa yo, y a privé sou yo. Y a bayo sa yo mérité opération bwa kale a pral tout côté qui gagne membre gouvernement Ariel Henry qui cache ministre, qui cache secrétaire d'état, qui cache directeur général depuis c'est moun qui fait partie de gouvernement Ariel Henry. Moi je Charles li mandé pour population acheter manchette yo, filer manchette yo pour yo rivé sou moun yo. Que était colon, que était membre gouvernement Ariel Henry, fok pays a clean, fok révolution en fait etc. Mais c'est pas première fois moi je Charles la fait déclaration incendiaire ça yo. C'est pas la première fois Moïse Jean-Charles a fait incitation à la violence ça yo. Dernièrement là, pral bon mois de ça Moïse Jean-Charles, il t'a fait manifestation, le rencontre populaire li, Moïse Jean-Charles, il était même allé dans logique pour bouler banque. Nous tout te konn bagay ça. Et bien jodi an, et bon surprise Bozil, fusion sociodémocrate, yo jugé que Moïse Jean-Charles li représente une menace, une véritable menace pour sécurité nationale là. Alors que nous avons des gangs qui terrorisent la population chaque jour. Nous avons des gangs qui touillent les petits peuples chaque jour. Nous avons des gouvernements Ariel Henry qui croisent les bras, qui ne font pas en merde, qui regardent les petits peuples, qui regardent les malheureux, qui tombent en babal, assassins dans le pays. Eh bien, Moïse Jean-Charles, je dis, c'est lui-même qui est considéré comme une menace. Mais la réalité, c'est qui ça lié. En tant que leader en parti politique, bah quoi, c'est Moïse Jean-Charles qui peut inciter le peuple à la violence pour aller prendre manchette, aller acheter manchette, filer le débat. Ça, son écart de conduite lié. Véritablement, son écart de conduite, qui ont été fanatiques Moïse Jean-Charles, qui ont été d'accord, qui ont pas d'accord avec moi, map dou vérité. Moïse Jean-Charles n'est pas dans le droit pour inciter le peuple à la violence. Son leader lié. Toute caméra fixée sur lui, tout j'ai braqué sur lui. Moïse Jean-Charles, il fait déclaration 18 octobre, 19 octobre, bonheur, journal dominicain, Listine Zorio. Yo, il a fait Moïse Jean-Charles, fait premier page. Yo, d'où un leader, parti politique en Haïti, lui mandé pour acheter manchette pour faire révolution. Est-ce que nous voyons qui est PAC? Est-ce que nous comprenons qui est PAC chaque déclaration qu'a gagné? Et c'est ça, monsieur, dame, yon pas comprendre leur affaire politique. Yon comprendre faire politique, c'est faire propagande. Faire politique, c'est dire n'importe bagay, sans yon pas soucieux de conséquences. Eh bien, jodi, le Edmond Supplice Bozil nan communiqué, li dou que déclaration Moïse Jean-Charles prononce dans la conférence de presse, qui diffusait sous plusieurs médias en dedans pays, li représente une menace clairement définie pour sécurité pays. Et yo pas admettre en aucune façon que pareille déclaration vienne causer plus instabilité en dedans pays, que pareille déclaration débouche sur un potentiel guerre civile en dedans pays, yo pas admettre ni. Et fuck commissaire du gouvernement, fuck Jacques Lafontaine, pressé, li mette action publique en mouvement. Dans situation ça, yo mette deux pieds Jacques Lafontaine dans un grain soulier. Parce que qui ça yo bral dit? Un moun qui pas cerné ça qui a passé à terre, un moun qui pas mettre bon sens dans lui-même, qui pas mettre et qui pas chercher comprendre ça qui a passé à terre là, si commissaire gouvernement Jacques Lafontaine il décide pour mettre action publique en mouvement, il décide pour t'inviter Moïse Jean-Charles dans paquet pour tendre Moïse Jean-Charles, yo pral dou ces persécutions politiques. Parce que sous Jovenel Moïse, c'est un paquet de vagabonds qui te dit qu'il va acheter manchette. Il a filé manchette de bois. Un paquet de vagabonds qui te dit qu'il a commencé à acheter manchette là pour yo filer. Parce que faut que pays, faut que révolution qui fait dans le pays, faut que chavire Jovenel Moïse, faut que crase le système. Non? Le commissaire du gouvernement à l'époque te décide, Benford Claude te décide, pour éviter Nexayo, Nex qui te dans l'opposition politique, enfin Jovenel, yo te dit que c'est persécution politique. Yo te dou,
c'est empêcher Jovenel pas de vouloir de manifester. C'est barré, on t'apprend le barré, etc. C'est persécution. Ça n'a pas rien pour avec incitation à la violence. Ça n'a pas rien pour avec violence qu'on a promoté. C'est persécution. C'est Jovenel qui parle de négo, etc. etc. Eh bien, je dis, hein, on dirait que Moïse Jean-Charles n'a pas tiré aucune leçon. Ni pas tiré aucune leçon. L'on c'est politicien. L'on considère tout comme un leader politique. Bon gens pour yé, bon comportement pour gagner. Et aujourd'hui, est-ce que Moïse Jean-Charles li a blâmé? Oui, li a blâmé. Mais Moïse Jean-Charles li montre, ça le fait à la campagne d'elle. Li montre, li bon comportement qui radical, je dis en la terre, sous béton. Hein? Li mande peuple pour acheter manchette. Li mande peuple pour filer manchette. Et puis le campagne d'elle. Ou content, content, fâché ou fâché, c'est ça le prouvé là. Maintenant, vous voulez nous comprendre. Parce que qui ça bagaille là? Travail là son travail d'équilibre. Travail là son travail qui a fait en toute objectivité. Nous avons une situation catastrophique dans le pays. Nous avons une situation, nous avons 2 mois là, avec le gaz qui est disponible dans le pays. Nous avons 2 mois depuis le gouvernement Ariel Henry n'a pas pris aucune décision pour calmer la fureur du peuple, pour calmer la situation dans le vivant de le pays. Nous avons 10 départements dans la rue. Ariel, jusqu'à présent, là, il n'a pas pris aucune décision. L'école pas qu'à ouvrir à cause problème gaz, à cause insécurité. En réel, pas sous l'école, le gouvernement en réel, pas sous l'école. On nous garde, on nous font logique. Si tout le bagaille est marché bien dans le pays, ou pensez 10 départements tap campé, ou pensez moun nan 10 départements aujourd'hui là, tap prend la rue, foule béton, à manifester, à revendiquer. Si tout le bagaille est marché bien dans le pays, ou pensez que moun qui tap suivre Moïse Jean-Charles, qui a dit acheter manchette, filer de bord pour aller chercher le ministre, le gouvernement dans le pouvoir, il n'y a rien jamais. Qui principal moun qui a blâmé dans tout ça dans la vie aujourd'hui dans le pays? Faut que politique fait dans le pays, nous avons toujours fait une politique qui est contradictoire, nous avons d'accord avec, nous pas d'accord avec, son droit nous gagner. Nous pas obligés de partager même idéologie, nous pas obligés d'accord sur tout bagaille, mais vérité en si bon seul gen bagaille nous doit d'accord sur lui, son pays qui a fonctionné, son pays pour marcher et gen moun qui dans institution yo, gen moun qui dans tête institution yo qui gen en responsabilité, en grande responsabilité, c'est faire institution fonctionner. Et là yo pas ka faire fonctionner. La population prend la rue, le moun yo a manifesté, a fait revendication, yo passé, tout bagay possible. Et c'est là où pral vin jwenn une incitation à la violence. L'on pays qui pas fonctionné, ou gagne des dirigeants, des leaders qui irresponsables, qui a prêché violence, qui a fait incitation à la violence, ou yon peuple qui en fureur, ou yon peuple qui enragé dans la rue, tout ça y a jwenn pour yon faire ces violences. Tout ça y a joint pour yon faire, c'est exactement violence, parce que yon grand goût, yon pas qu'à travailler, yon pas qu'à vivre, gen insécurité, gen violence, gouvernement, pouvoir pas qu'à satisfaire à tout yon. Donc c'est ça qu'il faut, il est facile aujourd'hui là, le leader politique dit peuple là, on nous prend la rue avec manchette, pour joindre moun dans la rue avec manchette. Le dit peuple là, on nous prend la rue avec bout de macaque nous nan men nou, bout de bâton nous nan men nou. Nous pral rentrer dans l'institution, nous pral craser, nous pral briser. Li facile pour yo faire. Le dit population, on nous mette du feu dans poteau électrique yo. Li facile pour yo faire. On nous rentrer dans DGI yo, mette du feu. Li facile pour yo faire. Moun yo nan grand goût. Moun yo gen besoin. Et principale préoccupation moun yo, c'est aller mieux bayon ti bagay pour yo satisfaire besoin yo, bayon ti bagay pour yo sot nan grand gwo, bayon sécurité pour yo ka fonctionner, en réel pa ka fèl. Sou pa ka fè ça moun yo attend. Comment on pral mettre de l'eau dans du vin moun yo? Comment on pral calmer fureur là? Bon pa ka bayon manger, pa ka bayon sécurité, ou pa ka fè yo jwenn gaz pour yo fonctionner. Jusqu'à présent pa jam ka pran disposition pour remettre subvention, pour retirer sprint et ça nous t'est ajouté sous brigazan. Nous pas jamais prendre aucune disposition et puis nous besoin pour peuple calmer, nous besoin pour toute bagarre aller bien dedans pays jamais. M'a toujours dit dans situation ça après déclaration Moïse Jean-Charles, il est à blâmer. Il est à blâmer. Mais la justice était la justice, principe était principe et jodi en là. Si on pa gen pour yo mettre action publique en mouvement, c'est pas seulement contre Moïse Jean-Charles. Nous avons un paquet de nègres aujourd'hui en là qui fait partie, un paquet de femmes garçons qui fait partie de pouvoir Ariel Henry. Un paquet de nègres qui était signé à en septembre Ariel Henry.
faut que la population a commencé à porter plainte contre yo, faut que tout nèg sa yo ta prend compte jodi an. Parce que c'est sous conscience mon a mourir dedans pays an, c'est sous conscience mon a victime babal marron dedans pays an. Chaque nèg bon membre dans gouvernement Ariel Henry, chaque nèg meton moun nan pouvoir Ariel Henry. Nous pas cap krason bord pour n'a pleuvon l'autre bord. Non. Chaque moun sa, chaque acteur politique a bon part de responsabilité. Yo bon part de responsabilité. Si jodi an, Moïse Jean-Charles c'est lui même le font appel à la population pour moun yo foule béton, moun prend la rue en masse, ça c'est ça Moïse Jean-Charles gen de positif dans lui. De bon nan li, mais si tout Moïse Jean-Charles li font déclaration qui incite moun yo à la violence, faut nou dil. Si pouvoir y a l'an y a pas réglé, on merde là, faut nou dil et faut nou dil parce que c'est yon même qui gagne responsabilité pour yon gérer paysan. C'est yon même qui gagne responsabilité pour yon porter un changement dans condition misérable moun a vivant dedans paysan. Responsabilité, c'est pas ni Youri la tortue, ni Moïse Jean-Charles qui gagne. Responsabilité aujourd'hui là, c'est pas leader politique qui a gagné. Leader politique, là, il n'y a pas de poste décisionnel. Il y a même pour présenter à peuple yo plan. Présenter à peuple, mais qui ça a gagné comme vision, mais qui ça a gagné en perspective pour yo ta fait pour yo. Vous comprenez? Réalité politique là, elle est différente. Et ça fait toujours dit, l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Pendant 4 ans, Jovenel Moïse, qui ça nous dit, ouais? Le nègre était dans l'opposition politique. C'était facile pour déstabiliser le pouvoir. Jodi, il y a un pouvoir. Il n'y a pas de peuple prendre la rue. Au Kay là, maintenant, je m'attends des nouvelles. Au Kay, commissaire gouvernement interdit de manifester. Au Kay, la police interdit de manifester. Parce que c'est pro-Ariel. C'est moun qui travaille pour le gouvernement Ariel. C'est moun qui fait tout le pouvoir Ariel. Jeune femme, jeune garçon, grand moun, petit moun prend bâton pour pas. Pour yon pas chapé, bâton levé ou bâton couché ou nan ou kay, yon pa gen droit prendre la rue. Chaque manifestation qui est organisée, la police boy yon kote yo. Depuis nan rencontre, depuis nan réunion moun yo, c'est gaz, c'est tir nourri. La police a tiré sous population à balle réelle. C'est ça qui a passé dans ou kay. A qui la faute? A qui la faute? Yon m'a gardé une vidéo de demoiselle nan ou kay. Policier une mot dans Okayo, c'est eux même qui fait la loi, c'est eux même qui décider qui leur pour moun prend la rue, qui leur moun pas prend la rue. Demoiselle là li rapporté, passé la passé et puis pendant la passé te gen backup la qui passé tout backup de moi et puis li dit la merde. Mais monsieur yo, mais policier yo pense c'est avec demoiselle là parler, sont entendé à la camper machine là. Yo maspiné demoiselle là, casser toute zone, craser Zofian, racher dans le casser tête li. La faute à qui? Ou gen un commissaire du gouvernement dans la juridiction? Bon, qui sa commissaire Ronald Richemont pour le faire là dans la situation? Policier, ça est-ce que vous mettez en détention? Qui doit policier ou rien pour faire répression sous moun comme ça? Bon, même le madame n'a dit nous n'en mède. Même le te, et nous même l'été dit, est-ce que ça va nous droit pour nous massacrer en moun comme ça? Moi, je suis là faire manifestation devant l'ambassade américaine. Li piège non paquet de gaz lacrymogène. A qui la faute? Bon, lui-même, il est en douce, son tentative d'assassinat, il est en clair sur ça. Qui est-ce qui est elle? Qui est-ce qui a alimenté elle? Qui est-ce qui a commandité elle? Je dis en la, faut que nous prenions la situation pays au sérieux. Faut que nous prenions le problème politique au sérieux. Parce que ça n'a vivre là, chaque nègre profite après résoudre le problème par eux. Chaque catégorie moun a réglé le problème par eux. Pendant nous, pas qu'à un consensus national, pas qu'à un entente qui joue pour débloquer le pays. Pendant nous, différents acteurs, yo, yo pas qu'à mettre tête ensemble pour résoudre le problème pays, c'est division. Yo n'a demandé arrêter l'autre, yo n'a attaqué l'autre, yo n'a dénoncé l'autre. Bon, gagné Youri la tortue qui font sommation pour Edmond Supplice Bozil. Oui, parce que Edmond Supplice Bozil li estimé te fait des déclarations diffamatoires sur lui, li mande, li sommel pour retirer ça de dire s'il pas vle pour saisir tribunal correctionnel contre lui pour l'attaquer pour diffamation. Est-ce que nous comprenons? Faut que nous prenons ça en affaire, en affaire politique pour peuple, pour changer condition la vie moun, pour nous vinn des modèles, faut que nous faire avec valeur. Là nous go paquet nèg, mon cher, même l'attend des nèg yo à l'école en pile nan yo. Yo quitte l'argent prend. Vous comprenez? Yo quitte c'est l'argent motivé, on fait l'argent. L'argent mal fait l'argent, l'argent sale fait l'argent. L'argent sans fait l'argent.
yo met craser paysan, yo met déstabiliser paysan, mais depuis yo atteint objectif, yo pays pas fonctionner comme ça. Pendant politique en Haïti a prend coup, pendant nèg yo pas 40 ans yo, eh bien hier encore nous gagné premier ministre Ariel Henry qui rencontré avec des officiels américains. Li rencontré avec John Bass qui c'est sous-secrétaire d'État américain pour l'administration, li rencontré avec chargé d'affaires haïtien Eric Stomare qui en Haïti lui-même. Eh bien, Ariel rencontré avec M. Sayo, dans objectif pour mettre sous table 4 points importants. Nous connaissons le gouvernement Ariel Henry, il a fait une demande officielle par bon côté Nations Unies pour gagner une intervention militaire étrangère qui fait en Haïti pour venir aider avec problème gang, pour venir aider avec problème insécurité, violence qui a fait en dehors pays. Il a parlé sous problème sécurité. Ariel parle sous problème crise humanitaire là, problème et terminal varroa nèg G9 bloqué. Ariel parle sous problème choléra et avec support gouvernement américain apporté avec peuple haïtien. Dans quatre points ça qui t'est fait partie de ordre du jour là de ça yo t'a parlé. Principale préoccupation gouvernement Ariel Henry, c'est demande yo adressé avec Conseil de sécurité Nations Unies parce que gagné et Mexique des États-Unis qui a travaillé sur une résolution. Résolution ça, il concernait non seulement et demande militaire gouvernement Ariel Henry, mais tout résolution liée pour avec sanctions que on pral porter contre gang yo avec commanditaire gang yo, sanctions financières. Comme nous identifier gang yo, nous identifier qui est-ce qui a dirigé tel gang avant hier on t'a regardé en cartographie différents gangs qui dans capitale là. Ou ap gade G9, quantité zone G9 occupé, quantité zone GPEP occupé, et gang, l'autre nèg qui affilié avec G9, GPEP, 400 Marozo, Vite l'homme, yon font cartographie, quantité gang qui a ferraillé dans la capitale pays. Nous identifier gang yo. Nous identifier chef gang yo. Maintenant, ça qui est beaucoup plus important, c'est commanditaire yo. C'est moun qui a financé gang yo, c'est moun qui derrière gang yo. Si li yon facile pour nous identifier gang yo, m'pa kwè la difficile pour nous identifier commanditaire yo. C'est seulement une question de volonté. Est-ce que nous voulons travailler pour nous identifier commanditaire yo? Est-ce que nous voulons permettre à ce que chef de gang sa yo qui a terrorisé population yo pas là encore nous passer à l'infinitif, nous passer dans l'oubli? Ou bien c'est propagande, c'est diversion à faire pour nous montrer notre travail, pour nous montrer nous voulons travailler, nous voulons aider, nous voulons collaborer alors que nous pas fait rien. Parce que qui ça bagaille là? Moun sa yo qui a acheté des armes aux États-Unis pour alimenter gang en Haïti, c'est sûr que les États-Unis arrêté yo, l'on juge fédéral auditionné au temps de yo, le passé devant juge, bon ensemble des formations que yo bail. Information ça yo bail que on était en relation directement avec chef gang nan. Que on était en relation avec un intermédiaire à tous les coups, gon moun en Haïti que en relation avec. Ça son plus ou notel. Kounye a, principe c'est qui ça lié. Dans toute équation pour jouer inconnu ou sorti de connu, c'est son connaissance c'est avec le service c'est lui utiliser pour jouer inconnu. Bon, actuellement là en Haïti, c'est chef de gang qui a fait raille, c'est eux même nous connaît. Nèg yo pa vle ba information sou 1100000, 1200000, 20000 k'ap vann zam en Haïti, k'ap fè commerce zam en Haïti. Donc, n'a parti le principe, c'est chef gang yo nous connaît, c'est bandi yo nous connaît. Faut mener des opérations, faut n'a mener des missions pour nous rentrer pour nous démanteler gang, pour nous marrer moun, pour nous arrêter moun, pour nous faire parler. Mais là ouais, logique là. Ou bon CSPN, ou bon état-major la police, yo pa planifié aucune opération, yo pa mené aucune opération, et goud l'op pral ve chavi revazo, se yon nan rapport kal e, sot kal l'évêque, yo fò konnen, gen près de 40 à 60% nan effectif total policier qui en Haïti, qui nan institution la police, qui fait partie de gang. Gen nan état-major la police, qui fait partie de gang. Donc là, on comprend. Le nous parle pas de volonté par bon côté, ou état-major la police, pas bon côté, pas de volonté par bon côté, acteur yo, qui t'a supposé prendre décision pour permettre à ce que gang démantelé en dedans pays, n'a pas compris effectivement, vu que nèg yo en relation, yo de concert, y'a travail, c'est à lié yoyé, ses amis yoyé, ses cocodas yoyé, pas gagné qu'a fait vrai. C'est temps a perdu. Donc, si États-Unis lui même pas bon côté parle. Yo mené enquête
yo déterminé à partir de chef de gang yo. Qui est-ce qui commandite un gang? Non, ça sont plus liés tout. Pour l'État haïtien, ça sont plus liés pour le gouvernement. Parce que si le gouvernement ne veut pas faire travail, si le gouvernement, CSPN, ne veut pas faire travail, nous avons différentes institutions en Haïti qui sont supposées enquêter, pas faire travail, différents membres de la société civile qui ont une organisation, qui ont un réseau de droits, qui ne pas faire travail. Donc si on obtient tout le bagage, c'est blanc qui pour une faire, qu'on y a les résolutions prennent, les résolutions votées, les résolutions prennent l'appliquer, qu'on y a pour obtenir. Même ou n'y a pas même liste commanditaire que États-Unis gagne, mais qui sanction financière auprès, etc. Qu'on n'y a pas dit, oh, comment bagaille ça fait passer comme ça? Est-ce que c'est persécution? Est-ce que c'est allié? Est-ce que c'est ami, etc. Parce que en Haïti là, il y a quelques politiciens, jouent à tous des noms dans liste commanditaire. Il y a d'où carrément ces persécutions politiques, hein? Yop dou, c'est parce que États-Unis a financé pouvoir réel, États-Unis a kembe pouvoir réel qui fait non dans liste. Même gens tout, genèg, l'opral tande non dans liste qui fait partie de pouvoir réel, qui fait partie de PHTK, ou pral tande ande getan wè sa, moun sa yo pas bon, moun sa yo pas bon, moun, etc. Vérité en ce qui s'allie, nous genèg ka fait politique en Haïti là, yo utilisé. Privilège yon gen soit dans pouvoir, yon utilise influence yon gen comme parti qui proche pouvoir pour yon créer, pour yon casser paysan, pour yon créer instabilité, pour yon créer troubles politiques dans le paysan, pour yon alimenter insécurité avec violence. Donc jodi an la, nous nous en situation côté que gen émissaire, gen officiel américain qui a chita avec Ariel Henry sous question sécurité, sous question résolution qui pral prend. Mais tout sous intervention. Hier, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a une réunion extraordinaire qui a fait pour pencher sous dossier haïtien. Pour regarder, pressé, est-ce que résolution, est-ce que la passé, est-ce que la voté. Mais il y a deux pays, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a même qui a le droit de veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a même qui n'a pas la situation Haïti, les États-Unis, il y a fait un ensemble de recommandations, un ensemble de choses qui ont été demandées pour introduire dans la résolution. Eh bien, hier, pendant la réunion extraordinaire dans l'IA fait là, eh bien, il y a un pays qui était en ébullition. Pays ça yo, mon pays ça yo, représentant pays ça yo, yo te gen bouche l'ouvri, yo te fâché, etc. Parce que on dirait ça yo te mandé, ça yo tap ten nan, c'est pas li yo te joine. Et ça te abouti avec qui ça? Vote pas ka fait, résolution pas ka passé, et États-Unis avec Mexique, yo marre résolution, yo mette en bras, yo al avec lui, yo al avec lui. Et dans situation ça, si bagal arrête comme ça, nous met atten nou que, bien que la Russie, la Chine yon conscient de situation qui gen en Haïti, hein, de crise politique là, acteurs politiques yon yon considéré yon comme honteux, yon considéré yon nèg ka fait politique en Haïti comme moun ki indiye yon, qui suscite yon dégoût, parce que c'est pas comme ça politique fait, mais tout, comme pa gen yon entente pa bon côté population, pa gen yon entente pa bon côté société civile, la gouvernement Ariel Henry, sous demande Ariel Henry fait, sous choix Ariel Henry fait pour mander intervention militaire étrangère, yon même yon positionné yon pa bon côté majorité population qui pas d'accord avec intervention étrangère. Et eh bien, dans cas ça, si résolution pas passé, si Conseil de sécurité, si résolution États-Unis, Mexique, pas passé devant Conseil de sécurité des Nations Unies, à qui ça nous attendons nous? Nous seulement qu'à attendre nous avec les États-Unis qui pourra le décider de manière unilatérale. Qui pourra le décider là pour demander l'autre pays support, pour demander l'autre pays pour mettre dans la force multinationale la voie, un soldat par eux, militaire la caille par eux, et puis décider qui le la voie en Haïti. Parce que Conseil de sécurité des Nations Unies, décision que États-Unis a pris, demande l'État haïtien, c'est vrai, il passe devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Résolution, si toutefois, il n'est pas validé en dehors du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça ne veut pas dire pour autant que États-Unis, qui déjà Ariel et qui déjà fait Ariel à tout gouvernement, comprennent qu'il a perdu le port tous les mois. Et ça ne pas empêcher que vous aidez Ariel Henry. Ça ne pas empêcher que États-Unis, Canada, vous voyez force militaire en Haïti. Qui ça la Chine, qui ça la Russie pour aller faire comme ça? Qui ça yon ka faire comme ça? Ok, les amis Kabdou, et dans situation ça, son situation et géopolitique, gon bataille, géopolitique ka fait, etc. Mais États-Unis là, États-Unis en France, États-Unis montre c'est lui qui a dominé, c'est lui même qui a gros ambassade en Haïti. C'est lui même qui a gros ambassade en Haïti. C'est vrai que avant l'assassinat Jovenel Moïse, mais très certainement, gros constat pour nous faire. Là, c'est États-Unis qui en force en Haïti. C'est ça, aurait les choix le papa, dans la coupe papa.
États-Unis gè gwo ambassade li, États-Unis. Nous wè États-Unis c'est lui même qui a ferraillé contrairement avec la Russie. C'est vrai avoir assassinat président Jovenel Moïse, gagné une mission diplomatique russe en Haïti, OK, gagné consul dans Fédération russe qui t'ai porté l'aide de créance etc. Mais qui parmi nous, yo pas gagné ambassade en Haïti, c'est seulement une mission diplomatique, une représentation diplomatique qui est en Haïti. Donc est-ce qu'on pense là la Russie, Fédération russe et en force comparativement avec États-Unis? Non. Tout ça qui qu'on a décidé pour Haïti, c'est toujours États-Unis qui décide de manière unilatérale. S'il veut pour voir une mission en Haïti, s'il va pas passer dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'a décidé de par lui-même. Si c'est l'autre pays pour le joindre mettre avec l'a fait lui, il a fait parce que c'est eux qui a décidé qui leur réel braler, qui leur réel et qui combien de temps il a fait toujours. C'est eux qui a décidé est-ce que Haïti besoin une mission étrangère, est-ce que Haïti pas besoin. Donc faut nous l'ouvrir, nous faut nous comprendre. Et situation ça est vraiment préoccupant, situation ça mon cher, m'pa cacher dit nous, gen moun gen haïtien là qui attend qui leur pour blanc débarquer, gen l'autre qui pas cadre des questions pour blanc débarquer en Haïti, mais vérité c'est que nous en situation d'insécurité en Haïti que pouvoir réel en rien pas veut contrôler, yo montre yo pas ca contrôler. Maintenant m'appli un tweet que Wendy fait. Et Wendy ça on dit ça comme ça moi on dit va connait que li apprendre blender Canada à peine pote yo là y a soudé et tol là dedans yo y a protéger radiateur pour protéger et toc en dedans blender parce que galet devant blender va blender vrai en tout cas n'a comprendre que là n'a fait pays si vraiment nous voulons faire pays gagne pas nèg qui fait partie de gouvernement de pouvoir qui fait politique faut nèg ça pas là faut nèg ça non coin faut qu'il prend retraite yo que pour retraite parce que dans moment là tout ça qu'a fait en Haïti c'est bagaille joie petit monde c'est risible c'est bagaille clown qu'a fait pas rien bagaille pays qu'a régler là nèg yo apprend c'est affi monde et yo vlo d'accord avec yo vlo d'accord et si bon bagaille qui fait mal c'est le m'a regarder tant pour par exemple des cerveaux l'on prend yo nèg tant pour la torture par exemple son nèg qui éduqué nèg là l'école nèg là fait master fait doctorat ça qui pour moun non balil éducation, question éducation, chita sou ban l'école pour formation. Bah, ça, ou supposé respecter l'indépendamment de problèmes politiques ou ka gen avec nèg la, de choix politique nous nèg la ka fè. Ou comprenn gros paquet l'autre nèg. L'autre tande par exemple, Edmond Supplice Bozil qui passe sénatrice. On moun ki gon parcours comme ça, son moun ki ta supposé respecter en dedans pays, respectable, respecté. Mais l'autre monsieur dame ça, son paquet abolotcho politique li yoyé, son paquet abolotcho politique. Nous besoin moun éduquer c'est vrai mais en pile fois là nous tomber sur moun éduquer génération ça qui fait politique là l'ont tomber sur yo mon cher yo utiliser éducation contre peuple là yo utiliser éducation pour yo aveugler peuple là yo utiliser éducation pour yo voler écraser fini déstabiliser un pays c'est ça donc ça va empêcher nous prendre éducation ça va empêcher nous n'a continuer investir dans éducation chercher moun qui éduquer. Mes amis, regardez ça nèg yo fait pays. Et Ariel gè bagay nan men pou le faire là et point qui gen pour avec crise humanitaire, avec choléra, avec soutien gouvernement américain, c'est bagay yo toujours discuté, c'est bagay yo toujours dans ordre du jour les rencontres qu'a fait entre officiel haïtien avec officiel et américain ou bien l'autre pays qui décidé pour intervenir dans dossier Haïti. Maintenant avant nous finir émission, gen dossier rebondissement dans assassinat président Jovenel Moïse. Mes amis, bon hier, m pa étonné pour me dire ouais, gagne sommation que Badjo fait. Badjo somme Gary Pierre Bonchol, Badjo somme et Luc Désir, Badjo somme Esaïe César. Bon, nous comprendre ça qu'a fait dans pays là pour moi, c'est purement et simplement de la diversion. C'est diversion qu'a fait. Et parce que hier même hier là après bagaille sommation Badjo ça, gagne Rod Joseph. Moun ki kon sou Facebook et ki kon ap suivre trois coups de canot, li son vétéran américain. Bon bagay ki attire attention non poste si fait. Li va konnen que depuis 7 juillet, depuis après assassinat président Jovenel Moïse, après FBI te fin faire enquête li en Haïti, FBI li présente un rapport bay Congrès américain côté que li fait konnen Badjo Félix et mouri Badjo Félix pa la encore.
Et en Haïti, nous avons questionné, nous, est-ce que Badjo vivant, est-ce que Badjo pas vivant, et est-ce que nous tout Badjo? Côté Badjo, côté Badjo, eh bien, hier, nous apprenons que Badjo lui fait sommation. Badjo sommé journaliste en Haïti, parce que lui estime qu'il a fait diffamation sous lui, il a parlé, etc., bagay qui parle vérité. Bon, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que nous ouais Badjo, jusqu'à ce que la police a arrêté Badjo, ou bien ta mon nèg qui t'a dénoncé pour la police a arrêté Badjo, gè bagay ka fait là, nous ka dit c'est diversion yoye. OK, c'est diversion parce que si Badjo youn nan principal auteur intellectuel, youn nan principal moun ki chita planifié assassinat Jovenel Moïse, comment faire jusqu'à présent c'est dans l'anonymat, même l'autant de consommation qui fait li gen non Badjo, mais est-ce que les signatures Badjo est sous papier? Est-ce que vous avez qui justifie que Badjo en vie? Pourquoi maintenant? Pour qui ça c'est dans le moment? John Joel Joseph fait comparution. C'est comme si Badjo a certaines coïncidences, une liaison dans Badjo. John Joel Joseph paraît devant le juge, il décide, il plaide non coupable. Ça veut dire qu'il est innocent. Il n'y a pas qu'on a un fait dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Même Jean Mario Antonio Palacios plaide non coupable. Même Jean Rodolphe Jean, il décide de plaider non coupable. Eh bien, tout n'est pas coupable. Il n'y a pas rien pour faire avec l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est comme si Jovenel Moïse, son bon matin, son fable, son mythe, son bagaille, il a inventé que Jovenel Moïse est mort, Jovenel Moïse est assassiné. Tout n'est pas c'est pas eux-mêmes, c'est pas eux-mêmes, c'est pas eux-mêmes. Pendant que la justice américaine t'a supposé accélérer le dossier Jovenel Moïse, nous ouais son lenteur, nous pas une merde qu'a réglé. En Haïti, le dossier a avancé, qu'on y a entendu son question Badjo Félix. Alors que DCBJ besoin Badjo, toutes les informations qui a circulé concernant Badjo, lié directement avec Ariel Henry. Comme quoi Ariel serait Badjo la Kaili. Comme quoi Badjo vient dans primature habillé en femme. Toutes les informations ça yo, c'est des informations qui sont disponibles. Est-ce que c'est information qui vérifie? Est-ce que c'est rumeur? Seul ça nous a fait confiance, c'est le fait que DCPJ t'a annoncé une filature qui t'a pris le fait pour arrêter Badjo. Et sortant de là, filature n'est pas fait, tu n'as pas arrêté Badjo parce que semblerait-il, information te get fuité, Badjo te get connu, dans la rencontre qui t'a pris le fait, la caille en rien, tu te get au courant, rencontre pas fait encore. Mais nous pas servi de information ça. Qui juge instruction qui servit de information ça yo? Jodi an la, on dirait pour détourner attention peuple sous vrai problème yo, yo vin avec un Badjo, Badjo ressuscité. Nous même n'attend si Badjo là, n'attend Badjo en chair et en os. N'attend Badjo pour le comparaître, n'attend Badjo pour un juge relel, n'attend Badjo pour un juge inculpé pour yo mener Badjo à le juger. C'est le ça n'a confiant que Badjo vivant, c'est le ça n'a confiant que Badjo existait. Mais en attendant, tout ça qu'a fait là, lui semblait avec diversion, tout ça qu'a fait là, lui semblait avec stratégie politique nèg yo a utilisé là pour détourner attention nous, pour créer une diversion dans la société hein, et puis soit attendre à tout nèg a réglé affaire par yo. Tout nèg a réglé affaire par yo. Mais dans ça qui vient pour avec John Joel Joseph là. John Joel Joseph le fait que lui décide de plaider non coupable, lui demande pour un procès avec assistance de jury. Et si qu'on y a procès fait avec assistance de jury, jury a déterminé que John Joel Joseph lui coupable. Ou qu'on s'est arrivé John Joel Joseph? John Joel Joseph lui a condamné à perpétuité. John Joel Joseph lui a condamné jusqu'à ce qu'il mourit. Eh bien, c'est ça qu'il y a besoin, c'est ça pour y rejoindre. Si en Haïti, dans ce moment-là, nous pas qu'à une justice pour Jovenel Moïse, et qui pise, bon, nous, qui vérité qui gagne. En Haïti, dans ça qui est pour avec preuve pénale, il y a deux formes de preuve. Preuve par écrit, preuve testimoniale. Ça veut dire, preuve par écrit, en yodou, tout ça, tout contrat va passer, m'kwe, et qui arrive jusqu'à 16 goudons, bah, comme ça, il faut qu'on écrit qui justifie. Faut qu'on preuve par écrit qui dit mais voilà. Sinon son témoin qui pour gagner qui pour certifier l'ité ouais ça t'est passé, l'ité présent sous scène non voilà. Imaginons en Haïti nous gagner deux formes de preuves ça. Toute l'autre preuve qui ca gagner, yo seulement juge qu'à utiliser comme commencement de preuve pour étayer conviction juge. Dans le cas d'assassinat Jovenel Moïse, bon seul bagaille tout monde a demandé côté caméra surveillance la cage Jovenel là. Côté caméra, côté faut que yo là pour nous voir qui est-ce qui était entré dans chambre président ba sa yo. Mais est-ce que nous connaissons forme de preuve ça yo pas recevable dans le tribunal? Est-ce que nous connaissons caméra vidéo, caméra surveillance, photographie ba sa yo
yo pas recevable dans tribunal, juge pas ka base conviction. Bon dou, qui ça juge a ka fait? Juge ka utilisé le comme commencement de preuve. Juge li a gardé effectivement dans caméra et vidéo, li te wè badjo entré, li te wè John Joel, li te wè X, li te wè Y, li te wè Z. OK. Ma parle en Haïti, oui. Qui différent de aux États-Unis. Kounye a, si yon ta utilise, yon ta jen kamera surveillance ta ka Jovenel Moïse yon utilise lan Haïti, juja ta ou en exa ou sou li. Juja, la juja pral deside kounye a, pou le kulpe neg yo, la utilise le selon conviction, comme li te ou el sou yo, la utilise le, mais forme de preuve sa yo devant tribunal, yon pa recevable en Haïti. Yon pa recevable en Haïti ki différent des États-Unis d'Amérique. États-Unis, preuve scientifique yon accepte yo, en Haïti bon dou. Ou ap saisi pou tande nan ka viol. L'ordre d'un femme di on est violé. Ou à l'hôpital par exemple pou fon certificat médical. Médecin li constaté par exemple et genyen et gen agression ki te fait. Li constaté OK gen sécrétion, gen sperme etc. peut-être si te gen brutalité, gen lésion, l'a constaté, l'a dressé en procès verbal. Mais médecin qui seulement constate gen brutalité, gen lésion, etc. etc. C'est sur ça, oui. C'est sur rapport médical, oui, juge, li pral déterminer est-ce que moun yo dit violo, est-ce que le violo tout bon. Pas de preuve ADN qui pral dit yo font prélèvement, yo jwenn sperme tel nèg nan vagin tel moun. Non, non, pas de bagay comme ça, non. Preuve scientifique, yo ADN recevable en Haïti. Seulement ça qui gen pouwe avec dossier paternité, oui. Et pas gen longtemps, non, te accepte bagay sa. Seulement dans ça qui gen pouvoir avec paternité, ou yo kon ADN, non preuve criminel bagay pénal. Yo pa kon ADN, non. Yo pa kon ADN, ça fait l'ordre de gérer non scène de crime, yo dou, y a fait prélèvement, gen enquêteur de CPJ, etc. Moi c'est convé. Alors que, nan nouveau code pénal là, nan nouveau code pénal là, bon ensemble de preuves scientifiques que t'as pral mandé là, et puis sont des anek yo dou code pénal, c'est code pénal et criminel, code pénal débauche, yo crasé code pénal là qui fait jodi en là nous des net, nous nan ke kabouette là. Nous des net. Nous pas gen preuve scientifique. Nous pas ADN pas admissible en matière pénale, photographie, caméra surveillance, vidéographie, une bagaille ça ou pas admissible. Comment pral mande justice pour Jovenel Moïse alors que tout nèg yo, tout moun ki participe nan crime, tout dou yo innocent. Yo tout yo décide plaider non coupable. Comment pral di tel coupable, tel coupable, tel coupable. Corvé, nèg yo te gen ta déterminé que y a touye Jovenel, code pénal va rentrer en application, donc yo fèl. Jodi en véritable moun k'ap paye pot kase yo, c'est peuple haïtien. Que le tenant ça qui gagne pour avec politique, que le dossier assassinat Jovenel Moïse, violation souveraineté pays, intégrité territoriale, que le dossier intervention militaire réellement dé, c'est nous qui payons pour casser. Parce que nèg yo geta fait tout ça pour te faire déjà. Nèg qui geta fin débaliser on a débalisé. Nèg qui pour te débaliser droit non yo débalisé. Nèg qui pour débaliser DGI en débalisé. Loi avait c'était yo débalisé. OK? Moun sa yo pou yo te mettre dans BM pas pou yo débalisé yo geta fèl. C'est nous même qui pa gen accès avec politique publique, soin santé. C'est nous même qui pa gen accès avec éducation. C'est nous même gang touyé. C'est nous même bandi a touyé, y a violé, y a kidnappé. C'est nous même jeunesse qui pa ka qui pa gen chance, qui pa yo pa ba nou opportunité pour nous rêver grand en Haïti. C'est nous même yo exclu dans société, c'est nous-mêmes. Donc nous pas qu'arrêter passif toujours à regarder, faut nous activer nous. Nous pas qu'arrêter passif croiser bras nous n'attendre qui l'heure pour mon Dieu délivrer pays en bas crise criminelle ça. Non. Nous ca délivrer pays à tout. Nous ca délivrer pays. Commencer là n'a faire mouvement, suspendre mettre du feu dans institution l'état, c'est pour nous yoyer. Yo pas pour Ariel, yo pas pour André Michel, yo pas pour Edmond, yo pas pour X pour Y pour Z, c'est pour nous, c'est l'argent taxe, l'argent pour nous. Et même l'entend des blancs, blancs d'où l'a débarqué en Haïti là, blancs qui viennent, c'est nous pour payer tout bagaille. Donc nous pas intérêt pour nous craser leur affaire revendication. Nous pas intérêt pour nous couper route, bouler poteau, mettre du feu dans DGI, dans ONA, etc. Non. Non. En tout cas, et nous loin avec pays, hein? Nous loin, au lieu de nous faire avancer, bat na fait. Nous tellement faire bat, nous avons l'impression que moteur a pas ka, même bat moteur a pas ka faire encore. Moteur a pas ka rentrer back. On dirait que côté nous y est là, nous just camper. Nous camper, nous tonne, nous garder. Et problème en pile, situation compliquée, c'est nous même qui pour impliquer nous.
C'est comme ça que je finis l'émission aujourd'hui. Là. Rendez-vous en cassé à 7h tapant avec Foucault pour cette programmation. Merci tout le monde, c'était un plaisir. Moi, maintenant, en pile. Bisous, bisous, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et l'énoncé, mon éditorial, vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2h, monsieur Chanel Paul là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous bral la balle pays, nous bral faire débat.